Je descends d'une famille de cuisiniers pâtissiers depuis 1822, je suis le dernier. Et mon grand-père qui m'a élevé était certain, fut un compagnon d'Urbain Dubois. Mon grand-père, alors j'ai 72 ans, il ne faut pas demander quel âge j'aurai maintenant. Hein? Eh bien, il m'a donné à choisir. Écoutez, parce qu'attention, à l'âge de 8 ans, moi, pour avoir 25 centimes, on me donnait une caisse à levure en Belgique pour monter dessus, j'étais trop petit, et ces caisses à levure étaient en bois, donc je montais. Et pour avoir 25 centimes pour aller voir un petit Mickey le mercredi, je devais tourner la manivelle pour faire les bonbons. Parce qu'il y avait une pâtisserie, confiserie aussi, surtout. Eh bien, à l'âge de 14 ans, il m'a dit, bon, maintenant, il faut choisir. Hein. Ou tu fais des études et tu réussis, ou tu fais ton travail. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, il dit, je veux être pâtissier. Ah, tu veux être pâtissier? Bien. Alors, écoute, il me dit, nous allons partir en vacances 15 jours, comme tous les ans. C'était toujours la même rengaine, aux quatre fils et Émond dans les Ardennes. Je le connaissais par cœur. Rentré à la maison, je mets mon petit tablier et mon petit bonnet, parce qu'on n'avait pas de toque à ce moment-là, mon petit bonnet, et je descends à l'atelier. Ce n'est pas un laboratoire en Belgique, c'est un atelier. À l'atelier, et mon grand-père m'a dit, où est-ce que tu vas? Ben, je vais être pâtissier. Ah, mais non, il me dit, pas ici. Je t'envoie chez ton oncle à Bruxelles. Et nous étions à Charleroi. Parce qu'il faut bien que je dise que je suis né à Charleroi, en Belgique, en 1930. Ce qui veut dire que j'ai connu la guerre de 39-40. Enfin, 39-40, oui, si on peut, si on veut. Et je me dis, bon, d'accord. En culotte courte avec deux grosses valises, mon grand-père me conduit à la gare de Charleroi. À Bruxelles m'attendait mon oncle, pâtissier aussi. Je me frottais déjà les mains et je vais travailler chez mon oncle. Mais comme je connaissais la pâtisserie de mon oncle, je me dis, bon, est-ce qu'ils me conduisent? En réalité, mon oncle me conduisait à la Fédération des patrons pâtissiers de Belgique, qui était aussi un bureau de placement. Je croyais donc que j'allais travailler chez mon oncle. Non, pas du tout. Instruction du grand-père. Qu'il ait une place à Bruxelles dans une des meilleures maisons. J'arrive à cette époque, en 44, enfin presque 45, en 1945. Je vois un vieux monsieur dans un bureau avec une ampoule qui pendait au plafond, qui me regarde et qui me dit, ah bon, une place de pâtissier, et je lui donne le petit mot qu'avait mis mon grand-père. Bon, alors il s'adresse à mon oncle et il me dit, vous irez le conduire à l'hôtel Raguenaud à Bruxelles, le plus grand hôtel, hôtel pâtisserie glacier. J'arrive à l'hôtel Raguenaud, où je suis reçu par, pas tout à fait le patron, c'était un des dirigeants de l'hôtel qui me dit, bon, vous l'apprenti, on va vous laisser aller parce que c'était au sixième étage que je couchais, pour une fois dans l'ascenseur, parce que l'ascenseur, c'est pour les clients. Il est monté à l'ascenseur, il me montre une chambre sous les toits, avec une petite lucarne, un lit, bon, si on veut, et j'étais là, je suis redescendu, bien sûr, encore à l'ascenseur, mon oncle m'avait laissé là, et le lendemain matin, on ira vous chercher. On ira vous chercher, mais je devais descendre les sept étages à pied, mais le laboratoire, enfin, l'atelier se trouvait en sous-sol. Allons-y, donc un peu de marche pour se mettre en forme. Et je suis présenté à un chef, au chef pâtissier qui était là, je l'ai appris après, un très grand chef, c'était M. Piens, qui avait été l'ancien chef de la cour de Belgique. Donc attention, une personnalité. Le premier jour, j'ai commencé à travailler, il me fait faire la plonge, bien entendu, parce que ce n'est pas en arrivant qu'on demande à un apprenti de tirer une rose en sucre. On lui fait faire la plonge et gratter les plaques. Je fais la plonge et je gratte les plaques rapidement parce que je faisais ça depuis des années. Parce qu'en réalité, je n'ai jamais été apprenti, puisque depuis que j'ai pu, je ne dis pas marcher, mais que j'avais 8 ans, 7, 8 ans, 9 ans, eh bien, j'étais dans le laboratoire au grand-père pour mes 20 centimes pour le Mickey.
Bon, je liquide la plonge et je liquide les plaques. J'arrive près du chef qui est en train de faire des brioches. Il prenait en brioche, il prenait des pâtons de 100 grammes qu'il divisait à la main en deux et il les roulait. Il les mettait bien équilibrés avant de faire les têtes, etc. Et le chef me voit arriver, il me dit, t'as dû deviner? Je dis, oui, je peux vous aider? Je lui dis. Il me dit, ah, tu veux m'aider? Oui. Bien sûr, il y a quelques années, je les faisais quand même, les brioches. Je prends la boule, hop, je tourne. Il ne dit rien. Bon, avant de mettre en moule, il faut les rouler un petit peu pour faire la tête et l'enfoncer dedans. Je continue. Bon, après les brioches, il ne dit rien du tout. Bon, on va voir si la plonge n'est pas arrivée encore en supplément, parce que chaque fois, la confiserie arrivait, les glaces aussi. Et je liquide encore ce truc. Je m'amène. Il est en train de faire des cornets à la crème. C'est-à-dire, c'est une plaque de pastillage, pas pastillage, je suis trop dans les décors, une plaque de feuilletage coupée en bandes fines, et on avait des cornets en fer sur lesquels on roulait pour faire un cornet. On le trempait légèrement dans le sucre cristallisé, on le mettait sur la planche. Attention, il fallait être habitué. Mais moi, ça ne change rien. Il roulait, je le regardais, je peux vous aider? Ah là, je voudrais voir, il me dit. Pap, 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 clac, clac. Il me regarde, il me dit rien. Il me dit, attends un petit peu, toi. Il téléphone au grand patron là-haut, monsieur Ragnaud. C'est pas un apprenti que vous avez là. C'est un gars, ou alors il a été apprenti quelque part, ou on l'a fichu à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, monsieur Ragnaud descend. Il me dit, t'as déjà travaillé quelque part, toi, comme apprenti? Moi, je dis non, toujours avec mes culottes courtes et mon tablier qui pendait jusqu'au pied. Non, non, monsieur, je, non. Elle ne vient pas de nous raconter des blagues. Le chef vient de me dire que tu faisais des brioches, tu roulais des brioches et que tu tournais des cornets. Tu nous mens. Non, c'est pas vrai. J'étais au bord des larmes. Le chef, un peu apitoyé, me dit, mais alors, est-ce que tu as appris ça si tu n'as pas été apprenti? Mais chez mon grand-père, à Charleroi. Le chef me regarde et dit, c'est ton grand-père à Charleroi, comment il s'appelle? Et moi, j'appelais mon grand-père Gustave. J'étais Gustave. Gustave. Oui, mais Gustave comment? Je lui donne mon nom de famille. C'est pas vrai qu'il me dit, t'es le petit-fils de Gustave. Mon grand-père avait été son chef. Régularisation, tout ce truc. Il a dit au patron, monsieur Piens, trouvez-moi un apprenti, moi je le prends en troisième. Parce qu'en Belgique, tu es apprenti, tu as troisième ouvrier, deuxième, premier, sous-chef, chef. C'est très distinct. Et les tocs et les calots sont en rapport avec le grade. C'est-à-dire, plus tu as du grade, plus ton chapeau est grand. Hein? Maintenant, ça n'existe plus. Et les bérets en Belgique étaient les véritables toques anglaises avec un panache que l'on mettait à gauche ou à droite. La toque n'était pas droite. Elle était comme une galette sur ta tête. Ce qui existe toujours en Angleterre. Voilà. Alors, les ordres étaient ceux-ci. Quand tu es resté 6 mois, 8 mois dans une maison et que tu as vu ce que l'on faisait, tu dois aller ailleurs, on t'y conduira. C'est-à-dire, c'était non pas un tour de France, comme on le fait en France, le tour de France. En Belgique aussi, il y a des compagnons, il ne faut pas l'oublier, mais je n'étais pas compagnon. Seulement, avec le passé du grand-père, plus d'où je venais, je devais, au bout de quelques mois, quand j'avais fait la fabrication, 6 ou 8 mois, 1 an, aller ailleurs. Et on avait choisi les fournisseurs de la cour pour m'y envoyer, parce que mon grand-père les connaissait tous. À Bruxelles, le fournisseur de la cour était Espagne, la maison Espagne, et Avenue Georges-Henri, Bodden et Werli. Enfin bon, tout ça c'était des confiseurs, pâtissiers, chocolatiers, mais on sait parfaitement bien que dans les cours royales, j'en reviens à cela, quand ils ont 2 ou 3 000 invités, sinon plus quelquefois, ce ne sont pas les cuisiniers de la cour royale officielle qui le font, ce sont les fournisseurs de la cour. D'ailleurs, les fournisseurs de la cour sont de très grands traiteurs, d'énormes maisons, comme en Angleterre, la maison Fortnum & Mason,
qui est fournisseur officiel de la cour, et ils ont droit à mettre sur leur façade le grand sigle « Of Reverend Sears » ou bien « Of the Majesty the Queen by appointment », fournisseur de la cour. Je devais aller donc chez ces fournisseurs de la cour, au fur et à mesure, ils m'ont envoyé même à l'étranger. J'avais une passion pour le décor, et je me suis spécialisé là-dedans au fur et à mesure, parce que je ne vais pas raconter tout mon apprentissage, ce serait trop long. Mais j'allais de maison en maison, jusqu'à l'âge de 19 ans, presque. Un petit peu avant que mon grand-père me décède. Et comme il avait une belle maison en Belgique, je suis rentré, après avoir fait différents stages, envoyé, et je suis allé par la suite, puisque les ouvriers du grand-père travaillaient, je continue à faire mes stages et à me perfectionner. Je me suis spécialisé dans les grandes pièces d'apparat, et c'est la raison pour laquelle, ayant travaillé pour plusieurs énormes maisons, parce que les cuisiniers de maisons bourgeoises que vous avez à Paris, on dit maison bourgeoise, ça veut tout aussi bien dire une cour royale qu'un ambassade ou des personnalités de très haut rang. Alors, je m'étais distingué un petit peu dans les questions de décor, et c'est pour ça que j'ai été appelé à plusieurs reprises en intervenant, c'est-à-dire en extra. Parce que le terme d'extra, il provient de Antonin Carême en 1815, qui disait déjà dans ses livres les grands extraordinaires. Les grands extraordinaires, en réalité, c'est un extra. C'est-à-dire que tu fais ça ailleurs que chez toi ou dans d'autres pays. Et les grands extraordinaires, c'est ça. Ici en France, bien sûr, vous connaissez très bien l'emphatisme des reporters, des journalistes, des télévisions. C'est le pâtissier des rois. Ben oui, je n'étais pas le pâtissier des rois. J'ai travaillé pour certains rois par l'intermédiaire des maisons des fournisseurs de la cour. Bien que je sois allé à Buckingham, où là je suis resté un petit peu plus longtemps, et sans être chez un fournisseur de la cour. Mais je veux dire que je vais rechercher ceci. C'est un métier qui est fait d'amour. Si vous n'aimez pas, ne le faites surtout pas, parce que vous faites perdre le temps à vous en premier lieu, et à votre chef en second lieu. D'ailleurs, si vous avez un grand chef, il verra bien, ou bien un bon chef, il n'y a pas besoin d'être grand pour être bon, et pour être excellent. Je connais énormément de personnes qui, à Paris, tel le monsieur qui est décédé il y a quelques années, ici, M. Pelletier, qui fut une très grande maison, et qui aurait été facilement meilleur ouvrier de France s'il avait fait le concours, mais il n'en avait rien à faire de faire le concours, il les employait. C'est pas la même chose. Mais je veux dire que c'est un métier où il faut se passionner, il faut aimer. Et moi, je dis ceci, quand on aime, on sait faire. Quand on aime, on sait faire. Un reportage, un jour à une télévision, on m'avait dit, le speaker, je ne sais pas comment on dit en France, le speaker, me dit, mais on dit souvent que les chefs, ce sont des costauds et puis qu'ils sont très durs, etc. Je dis non, ce sont des attitudes. Les chefs, comme moi, maintenant moi, mais quand j'étais plus jeune, j'avais recevé des grands coups de pied aux fesses. Hein, ce qui ne s'est plus maintenant. Ce qui est excellent. On croit qu'ils ont des attitudes comme ça. Mais moi, j'ai dit, écoutez, non, ce sont des gens sensibles, qui aiment leur métier. Et sincèrement, avez-vous déjà vu un abruti faire une rose? Non? Mais c'est la vérité. Moi, j'ai fait des roses dans toute ma vie. Je ne suis pas un abruti pour ça. J'ai commandé aussi des gars, j'en ai eu une quantité. Mais je savais comment faire. Je savais comment les traiter. Et surtout, je n'oubliais pas comment j'avais été avant. Mais c'est-à-dire que je participais et je réalisais aussi pour les grandes pièces, pour les grandes semontes, si on peut dire. Il y avait Aristote en Asie, il y avait la Duchesse de Kent, il y avait Lady Di, le gâteau de mariage de Lady Di, qui a été décoré par nous en Angleterre. D'ailleurs, attention, il faut bien spécifier une chose. En Angleterre, c'est très traditionnaliste, les Anglais.
Les gâteaux de mariage sont cuits et confectionnés par les cuisiniers de la Royal Navy. Les cuisiniers de la Royal Navy sont. C'est une école énorme, c'est formidable, là, la Royal Navy. Faut pas oublier que les Anglais sont très connus pour leur navire, etc. Et puis, les cuisines sont somptueuses. Ça fait partie de la cour royale, la Royal Navy. Alors, automatiquement, ils ont là des grands décorateurs, des grands cuisiniers qui œuvrent en la matière. Mais quand il s'agit de grands banquets, de passer 1000 personnes, la Royal Navy a fait appel aux fournisseurs de la cour. Donc moi, j'étais un des décorateurs patentés, c'est ça que j'ai travaillé pour le gâteau de mariage, j'ai dit à la décoration. On m'a souvent demandé, eh, vous l'avez vu, l'année dernière, je l'ai vu, mais de loin. On n'a jamais vu un roi ou une reine prise en photo, hein, dans les bras de son pâtissier ni de son cuisinier. Nous sommes des hommes de l'ombre. Comme on avait fait un reportage là-dessus, à la télé, avec. Mon Dieu, oh, le nom m'échappe. Léon Zitrone. Et on avait fait un reportage, Léon Zitrone et moi, un peu avant sa mort. Et où je lui disais, mais nous, vous faisiez le reportage, et moi, j'étais dans les cuisines, dans les caves. Nous étions tous les deux dans les cuisines, dans les caves. On se rencontrait, on se croisait, mais on ne fait pas partie de la suite de la reine d'Angleterre. Enfin, voilà, on a travaillé pour énormément de. Et surtout la Société des cuisiniers français, qui était la Société des cuisiniers de maison bourgeoise, très fermée. Enfin, il y a plus que 200 membres approximativement maintenant. Et quand je rappelle que quand on dit cuisine de maison bourgeoise, c'est aussi les cours royales, les ambassades et les grands de ce monde. Où on faisait appel. Je fais partie de la Société des cuisiniers français. Quand il y en a un qui avait une très grande pièce, soit le mariage de la fille Roussel, de la fille Onassis, Madame Roussel, puisqu'elle a épousé le fils Roussel, ben, ils y allaient. C'est comme Monsieur Amaury, la baronne Van Zuylen, qui est une cousine de la reine d'Irlande. Tout ça, ce sont des grandes manifestations dont généralement on ne parle pas. On participe, on ne parle pas, ça les des souvenirs. Mais écoute, si nous sommes reçus dans le monde entier, et reconnu, tu pourras y aller toi aussi dans le monde entier. Tu pourras y aller aussi et être appelé à te trouver, aller, que ce soit au Canada, tout aussi bien qu'en Inde, etc. Tous les gars à qui je connais chez le nôtre ont tous été presque dans tous les pays du monde. Tu as les écoles Bellouette Conseil, ils viennent de 47 pays chez lui pour voir. Et apprendre, tu iras au Japon, tu iras en Chine, tu iras où tu voudras, mais au moins parce que tu auras fait un métier que tu aimes et que tu sauras faire. En te disant bien, en te disant bien ceci et réfléchis-le. Je suis et on reste toute sa vie un apprenti. Quel cache que tu puisses avoir. Voilà. Merci, M. Sander. Il n'y a pas de quoi, merci. C'est moi qui vous remercie.